Meilleur marqueur du match avec 28 points, sociétaire de Nanterre. Il a tout gagné avec Nanterre depuis quelques saisons. Je le connais personnellement. Jérémy, ta réaction par rapport à ce match ? C'est un match qu'on a assez mal démarré. Je ne sais pas si c'était parce que c'était le matin, on a eu un peu de mal, mais on a assez mal démarré. On est retourné dans nos bases, on est retourné plus agressif en deuxième mi-temps et c'est grâce à ça qu'on a pu faire l'écart. À titre personnel, est-ce qu'on peut dire que le Cameroun 2015 est plus fort que le Cameroun 2013 ? Je ne sais pas, mais je pense que je peux dire qu'on est plus agressif. Dans notre façon de défendre, on est beaucoup plus agressif et c'est une des choses qui est l'identité du Cameroun. Donc on va dire qu'on est plus agressif. Dernière question pour moi, je ne veux pas monopoliser la parole. Ton expérience européenne, internationale, tu la mets au service du collectif. Est-ce que les autres coéquipiers en sont conscients ? Je ne l'aurais jamais demandé, mais bon, j'espère. J'essaie de ne pas être un joueur trop personnel. De base, ce n'est pas mon style. Donc quand je vois quelqu'un d'ouvert, je donne le ballon. Bon. Je ne sais pas s'ils le ressentent, mais j'espère bien en tout cas. D'accord. Et notre chaîne est suivie au Cameroun et en Centrafrique, qui sera peut-être votre prochain adversaire. Qu'est-ce que tu connais de la Centrafrique et des joueurs centrafricains ? Je connais quelques joueurs de la Centrafrique, Destin Damachois, Max Ougueri, Yannick Zaché. Il y a aussi Jimmy Dimrabal, donc je sais que c'est des bons joueurs. C'est une équipe qui est très dangereuse, qui est aussi agressive, qui est grande. J'ai vu qu'ils sont très dangereux au rebond, donc on sait que si on va jouer contre eux, ça va être un match difficile. Donc on doit se préparer de la meilleure des façons. Okay. Merci beaucoup. Ouais.